Alors, depuis notre naissance, il y a deux besoins fondamentaux qu'on va aller chercher. Il y a d'abord le besoin de lien. On veut être en lien harmonieux. On veut être en lien de qualité. On veut des belles relations, des beaux amis, une belle famille. Donc, on a quelque chose qui nous pousse à être en lien avec les autres. Mais dans le même temps, on a aussi une pulsion qui nous pousse à nous séparer, à nous individualiser, à être des personnes à part entière. Et en fait, bon an, mal an, l'enfant va devoir apprendre à gérer ces deux pulsions. Et bien souvent, il est pris dans des moments de sa vie, dans les stades de développement, où il est souvent coincé entre ces deux pulsions. L'âge du non, c'est probablement sa première crise existentielle, où il voudrait donc garder lien avec papa et maman, mais en même temps, il veut n'en faire qu'à sa tête. Donc les deux pulsions deviennent opposées l'une à l'autre. Et ça, ça crée un degré d'anxiété que nous allons encore vivre dans nos couples. Il y a des moments où on a le goût d'être avec notre conjoint, notre conjointe, on a le goût d'être avec nos enfants, et il y a des moments où on a envie d'avoir la paix, on a envie de se retirer, on a envie, et c'est cet équilibre-là qui est parfois difficile à trouver dans une famille ou dans une classe.